Contrairement aux habitudes, l'année scolaire 2020-2021 s'est clôturée au mois de septembre au lieu de 2 juillet, date mémorable pour tout celui qui est passé par le banc de l'école. C'est à travers une séance de signature des bulletins et proclamation des résultats des élèves que cette année scolaire, aussi tumultueuse que la précédente, a pris fin. Ce, malgré de nombreuses contraintes liées à la pandémie à Covid-19 qui ont vu les portes des écoles se fermer à plusieurs reprises. À l'Institut de la Gombe 2, par exemple, ce sont des parents heureux pour certains et tristes pour d'autres qui sortent de salle de classe après la signature de bulletin. Henri Bonnard Banfoumou, conseiller d'orientation de l'Institut, résume l'année scolaire. Sur le plan quantitatif, nous disons oui, nous avons réussi avec toutes les réformes possibles. Par contre, sur le plan qualitatif, c'est là où cela pose un problème. Mais néanmoins, l'année n'a pas été très morose. Nous avons connu des problèmes de tout genre. Les élèves se disent satisfaits de cette année. Je l'ai bien passé pendant la pandémie, tout s'est très bien passé. Et les examens aussi s'est très bien passé. Les parents, pour leur part, se félicitent de cette année malgré les contraintes. L'année scolaire 2020-2021 était un peu difficile. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, les enfants n'ont pas tellement bien terminé l'année. Cette année scolaire, c'était une année très difficile. Avec la Covid, les enfants ont étudié à Dombessy. Mais Dieu aidant, ils ont quand même réussi à terminer cette année scolaire dans plusieurs difficultés. Eh bien, dans l'ensemble, ce n'était pas facile. Notons que l'année scolaire 2020-2021 a débuté au mois de février et ses élèves n'ont que 3 semaines et demie de vacances pour reprendre le 4 octobre prochain le chemin de l'école.